Hey, hello tout le monde, c'est Falken et bienvenue sur votre épisode numéro 1 de notre Let's Play sur Halo 4 Entry Commentary. Comme sur Halo 3, je ne serai pas tout seul, je serai toujours accompagné de Kurama27, mon très cher poteau, bonjour à toi. Et nous serons toujours en compagnie de ce très cher et néanmoins grand ami à nous deux qui n'est autre que Pèlerin29, bonjour à toi David. Salut, salut. Comment ça va les gars? Bien. Bien? En forme et tout Bah, pour Kurama, il tourner? est bourré, mais faut pas s'inquiéter. Oui, non, en fait, vous voyez plus qu'en fait plutôt, on pourrait dire une impression là de duo en fait entre Pèlerin et moi pour cet épisode, je pense, parce qu'en fait, il va vraiment pas bien dans sa tête. Hein. Mais bon, bref. On ne va pas revenir sur la fin d'Halo 3. On vous avait conseillé entre la fin de l'épisode, la fin de l'épisode d'Halo 3 et le début donc de ce premier épisode d'Halo 4 de visionner Halo 4 Forward Unto Dawn. J'espère que vous l'avez fait de votre côté. Honnêtement, c'est plus sympa si vous voulez en apprendre sur les détails du jeu. Vous En êtes fait, prêts les il y gars? aura un contrôle. Il y aura un contrôle, il y aura un questionnaire. Si vous ne l'avez pas fait, vous n'avez même pas regardé le premier épisode. Ça, c'est comme ça. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts les gars? On va pouvoir lancer? Prêt? Très bien. Allez, je lance. Donc on sera toujours en tri-commentary et j'espère que, et on espère surtout que ça vous plaira toujours. Une cinématique pour moi qui m'a Charge beaucoup Tigre. beaucoup marqué et que j'adore, surtout au niveau de la musique. Parlez-moi des enfants. Docteur Halsey. Vous êtes au courant de tout. Vous les avez enlevés. L'esprit des enfants est plus perméable à l'endoctrination. Leur corps supporte beaucoup mieux les transformations. Nous avons ainsi créé le soldat suprême. Et grâce à notre réussite, nous étions prêts lors de l'invasion Covenant. Docteur Halsey, vous changez l'histoire en votre faveur et vous le savez. Vous avez créé les Spartans pour écraser la rébellion humaine, pas pour lutter contre les Covenant. Lorsque les mondes humains tombaient l'un après l'autre, que mes Spartans étaient la seule chose qui puisse empêcher l'extinction de l'humanité. Personne alors ne se préoccupait vraiment de savoir pourquoi ils avaient été créés. Vous estimez donc que vos choix sont justifiés. Mon œuvre a sauvé la race humaine. Pensez-vous que l'absence d'humanité des Spartans y a contribué? Que cherchez-vous? J'ai vu des espions de la marine avant vous. Mais vous, vous êtes différent. Les Spartans avaient des tendances légèrement sociopathes. Côté socialisation et verbalisation, ils étaient... Ils ont fait preuve d'une efficacité absolue en situation de danger. C'est moi qui ai fourni les outils qui ont permis tant d'efficacité. Mais est-ce que vous pensez que le Major a réussi parce qu'au fond, il était brisé? Que vient faire John dans cette histoire? Vous voulez le remplacer? Le Major est mort. Son dossier, lui, dit qu'il est porté disparu. Catherine. Les Spartans ne meurent donc pas? Votre erreur, c'est de considérer les Spartans comme du matériel militaire. Mes Spartans sont l'évolution des humains. Notre destin en tant qu'espèce. Ne les sous-estimez pas. Et surtout, surtout, ne le sous-estimez pas.
réveillez-vous. J'ai besoin de vous. Major, toujours. Votre absence a été longue. Où sommes-nous ? Toujours à la dérive sur le Dawn. Pourquoi me réveiller ? Attendez, j'active vos systèmes de suite. Je modifie votre combinaison pendant votre sommeil. Vous n'avez pas chômé. Activation des générateurs de gravité. Restauration partielle. En haut, Major. Utilisez l'ouverture manuelle. C'est comme au bon vieux temps. Prête à reprendre du service ? C'est la question que j'attendais. Les alarmes d'intrusion se sont déclenchées sur plusieurs ponts. Pour savoir qui nous aborde, allez voir sur le pont d'observation. 4 étages au-dessus. C'est peut-être des secours. Mais je parierai pas dessus. Ok les gars, donc on peut parler, c'est bon. Ouais, cette cinématique m'a vraiment plu. Elle était vraiment sympa. Belle en plus, faut dire ce qui est. Et quelle belle modélisation de Cortana. T'as reconnu, Kurama, la femme assez âgée qu'on a vue au tout début ? Bah ouais. Vas-y, on va tester ta culture d'Halo, je t'écoute. Bah c'est la doctoresse. Ouais, docteur Halsey, ouais, c'est ça, que tu vois dans quel Halo ? Rich, en fait. Waouh, mais je suis impressionné, c'est bien. Non mais tu crois vraiment, je connais pas les Halo en fait. Bah en même temps, t'as regardé mes let's play, donc... Non, juste pour info, j'ai fait le 3, j'ai fait le Reach, j'ai fait le ODST, j'ai fait le 4. Hein. Bon, c'est bien, c'est sympa. Bon, alors, déjà, première chose qu'on va pouvoir constater, c'est qu'on est tous les 3 des Master Chief. Honnêtement, c'est pas la classe, ça. Ah non, c'est pas mal. Master Chief. Déjà, on aura plus cette distinction qu'on avait entre les élites et le Master Chief, là, qu'on avait dans le 3. Bon, on va pas résumer ce qui s'est passé dans la cinématique. Reviens ici. Non, bah non, il peut venir. Tu ressembles à quoi, là? Un con. Non mais je veux dire, tu es un Master Chief ou je suis un mec 9? Non, t'es Master Chief pour moi. Putain, je me suis pas mis comme ça pourtant, c'est bizarre. Donc quand vous allez commencer votre partie, il y a ici un petit terminal à aller activer. Est-ce que quelqu'un veut le faire? On va se taire parce qu'il y a des informations... Non, il y a des informations... Non, pas du tout, je te rassure. Et il y a des informations assez importantes, en fait, qui fait un résumé des 3 premiers halos. Allez, j'enclenche. De service du Spartan John 117. Est-ce que vous souhaitez continuer ? Oui. La frégate Pilar Ovotum trouva l'installation Forerunner Halo 04 et envoya le Spartan 117 protéger Cortana, l'IA de l'UNSC. Le Major découvrit un complot covenante visant à activer le Halo et sacrifia l'Otum pour le détruire. Je continue encore. En suivant le vaisseau amiral Covenant venant d'attaquer la Terre, le Spartan 117 atteignit l'installation Halo 05 et découvrit la guerre civile qui sévissait entre les Covenants. Après les avoir empêchés d'activer le Halo, le Spartan 117 les suivit sur Terre, en quête d'une installation Forerunner pouvant activer tous les Halos de la galaxie. Et normalement c'est le dernier. Les Covenants arrivèrent sur Terre et ouvrirent un portail menant à l'Arche, une installation Forerunner extragalactique pouvant activer les 7 halos. Aidé d'une force composée de Covenants et d'unités de l'UNSC, le Spartan 117 retrouva les Covenants à l'Arche, qu'il détruisit, empêchant ainsi l'activation des halos. Encore ? Alors que le Spartan 117 tentait de fuir l'Arche à bord de l'UNSC Forward Unto Dawn, le portail spatio-temporel que le vaisseau traversait s'effondra. Non mais c'est pas possible. À l'arrière du Dawn, le Spartan 117 est plongé en cryostase, en attendant que les forces de l'UNSC viennent le secourir. L'IA Cortana devait, elle, rester active le plus longtemps possible. Mais quel connard. Fin des états de service. Avez-vous eu un succès ou pas? Au début, ouais.
Ouais, de 5G, c'est ça? Ouais, sûrement. Donc c'est bon, le premier terminal donc de la mission est activé. Donc un petit rappel pour les événements de Halo, hein, pour ceux qui découvrent parmi nous tout simplement eh bien, ce jeu. On va pouvoir ici analyser le système d'armes. Si je me trompe pas, en fait, ça nous donne les états de service de la frégate sur laquelle nous sommes, donc qui s'appelle Dawn. Car oui, moi je l'ai pas précisé, mais pour moi, ce premier épisode s'appellera Dawn, tout simplement. Comme le nom de la mission, comme ce que j'avais fait pour l'autre. Bon, vous êtes prêts pour un petit peu défourailler, les gars? On va y aller, on va avancer. En tout cas, J'ai fait ça toute la matinée, je peux plus. Je veux pas dire, mais il y a une chose, mais honnêtement, il est beaucoup plus beau que l'autre. Je veux pas, vous Oui, trouvez mais pas? Ah bah ouais, mais attends, bon, ça a rien rien à dans la voir. cinématique, est-ce que t'as vu les années? On les voit les années d'écart de technologie. Donc là, Cortana vient de nous apprendre que ça fait 4 ans qu'on était en état de cristal. Comment on dit? Cryogénisation, c'est ça? Cryogénisation, non? C'est quoi? On a été cryogénisé, quoi. Oui. Elle ne correspond à rien. En stase. Le point d'observation est encore. Ah, aussi? Il est juste au-dessus de nous. Ok. Donc là, découverte, hein, découverte un petit peu. La suite, c'est par ici. Bon, on n'avance pas très vite, mais rassurez-vous, dans la suite des épisodes, ça ira beaucoup plus vite, hein. Là, Cet on pose le ascenseur est gameplay, hein. débloqué. Qui veut s'en occuper? C'est moi ou vous voulez le faire? Bah vas-y mon petit père, hein, t'étais parti pour là. Allez! Major, attention! Ah d'accord, on va appuyer plein de fois. Oula! Et c'est qui joue là en fait? C'est David ou c'est nous tous? Non, non, c'est pas vrai. Ah, c'est moi? Bah oui, c'est Je dois toi! faire quoi là? Bah à gauche! Tu vois pas que ta Ouais. caméra te dit à droite là? Voilà. Ah d'accord, c'est pour ça. Depuis tout à l'heure, j'essayais d'aller à gauche ou à droite. Je comprenais pas. À gauche? Voilà. Oh, il est violent, Perrin! Ah, violence! En tout cas, il est sûrement pas seul. Restons sur nos gardes. Ok, mais vous êtes passé par là l'autre ascenseur? En fait, on t'a suivi. Donc, apparition dans ce halo des petites QTE. Bon, qui sont peut-être pas forcément nécessaires. Je m'en occupe. Ah non, putain. Ah si, je m'en occupe quand même. Alors, on va quand même se méfier, les gars. C'est les mêmes contrôles hein, que sur Halo 3, hein, donc ça change pas beaucoup. Vous oubliez pas que dans celui-là on peut faire les assassinats, hein. Nouveauté qu'il y avait justement, c'est dans ce que je voulais l'Orich. faire, hein. Ouais. Oh la vache par contre. Oui, ils font mal, donc Ça fait assassiner. super mal, ouais. Ouais, les assassiner c'est pas forcément une bonne idée pour le moment. Je vous rappelle aussi que pour notre jeu d'équipe, il va falloir qu'on se rappelle si on est mort ou pas, hein, pour les points de réapparition. Ça avait bien fonctionné hein, dans les épisodes d'avant sur le 3. Donc pourquoi pas poursuivre. En fait, je prends vraiment trop cher. Ok. C'est bon. Je m'occupe de lui! Ah, il y en a un par ici, je l'entends. Oh, il est où? Non, c'est bon, je l'ai tué. C'est bon. On doit voir ce qui nous attaque. Je vais aller récupérer sur le panneau ici, normalement. Voilà, grenade et tout ce qu'il faut. Par contre, c'est bizarre que j'ai qu'une seule arme. Y a pas le magnum? Si, il fallait ramasser au début, moi je l'ai ramassé. Oh mince. Je vais activer le point, le relais. Vous êtes prêts? Ah, je peux prendre ça au pire, le fusil Storm. La bonne nouvelle, c'est que ces Covenants ne sont pas en tenue militaire standard. Il est possible qu'on soit tombé sur un vaisseau de sauvetage isolé. Ou alors, nous sommes tombés sur toute une flotte Covenant. Ils nous ont peut-être pas reconnus. C'est une des possibilités. Navette d'abordage sur notre flanc. Donc on aura affaire à des Covenants renégats. Je vous rappelle que normalement, hein, les Covenants sont les alliés maintenant de l'UNSC, donc la race humaine. Ok, ouais, j'avais oublié, mais j'ai oublié de vous préciser, mais on pouvait utiliser les grenades en fait. Oui, par contre, ils font. Attention aux élites, hein. Aux élites, elles font super mal. Oh ah putain, je me suis assassiné.
va s'occuper. Hop, ouais, on va essayer de pas se tirer dessus les gars. Parce que dans Halo 4, le bouclier part plus vite que dans Halo 3. Je sais pas votre ressenti. Hop, on va revenir un petit peu sur le fusil. Nous devons quitter ce vaisseau. On a des problèmes plus urgents. Il y a un croiseur sur une trajectoire d'intersection. Rejoignez vite les ascenseurs. Ok, bon, moi j'ai juste essayé de récupérer une nouvelle arme. Ça par exemple, ça pourrait être bien, mais on va revenir sur le fusil. Ok. Il faudra les lancer manuellement de l'extérieur. Ouais, sauf que c'est par là. C'est bon pour vous le stuff? On est bien? Ouais. C'est bon, ok. On va être TP, t'inquiète pas. Oula! C'est toujours bizarre. Il commence, ça y est, c'est fait. Attention, j'ai des grenades! Attention, j'ai une arme. Qu'on fait épisode 9 à l'O3. Qu'on a fait ensemble. Donc, qui a été diffusé pour vous il y a 2 semaines. Ok. Attention. Oh non, je suis en train d'assassiner la merde. C'est bon, je vais s'occuper de l'élite. Ouais, c'est une petite mise en jambe, hein. C'est assez simple, on peut dire ce qui est. Ah, au pire, là, ouais, on aurait pu balancer une grenade, ça nous aurait aidé. Oh la vache. J'en ai plus de grenade. Elle est passée à 2 doigts. Ah putain, je suis mort. T'es mort? Attends, il reste plus que toi. Ah oui, il reste plus que toi, fais gaffe. N'hésitez pas à me le dire à chaque fois, hein. Ça avait bien fonctionné avant. Ouais. Je lag un peu, pas vous? Ah non. Bah pour le coup, non, là. Je suis mort. Oh, que dalle. Les boucliers sont désactivés. Ouais, mon petit père, la grenade que j'ai lancée t'a rebondi sur la tête et du coup elle s'est mise juste à côté d'Elite. Mais j'ai fait exprès? J'ai fait une tête. Stuff de base, donc quand on meurt, on récupère le fusil plus le magnum. On va essayer de... Voilà. Utiliser le magnum. Ouais, y a pas beaucoup de munitions, mais c'est une arme qui fait tellement mal. J'aime beaucoup. Mais je la préfère, moi, j'avoue, dans le magnum. Il n'y a pas photo que ce soit dans Halo 3, dans Halo 1, que le magnum restera le meilleur. Je trouve personnellement. Tellement la meilleure arme dans Halo 1, quoi. Tellement de souvenirs. Pas faux. Ici, vous avez des munitions, ça vous intéresse? Bon, on progresse assez vite, hein. Oula, vache, par contre, oui. Oula, on est tous morts là. Non, c'est bon. Ah, non, les bons survécu. Ouais. Par contre, je vois. Mais tu viens de mourir là, non? Est-ce qu'il y a un délai de zone pour les réapparitions ou pas? Ou c'est juste un délai de 5 secondes? Non, il y a un délai de 5 secondes et de. Et deux zones, hein. On est bien d'accord, comme et sur l'O3. Hein. Ah, d'équipier en combat. Hein. Ok. Pas si... Le missile est encore loin. On y est. Faut que je m'habitue aux touches. Ouais, ça doit vous changer de destiny. Hein. Donc là, on va progresser par là. Double là. Ouh la vache, non. Ouf. Elle est pas passée loin celle-là. Elle est vraiment pas passée loin. C'était ma grenade. Oh, je suis mort. Et ils font super mal, hein. Ils font très très mal. Bah ici, rapace, bouclier. Je vais crever un peu, dit. Voilà. Il y a une élite derrière. On va essayer de... Je vais mourir. Non, je suis pas mort. Je suis pas mort encore. Oh, non, je suis mort. Ah merde, je suis mort, putain. Recule, David, recule. Voilà, merci. Derrière. Ouais, par contre, je vais m'éloigner parce que là, une... Oh là là, et il... Mais vous allez arrêter un petit peu là. Voilà. Oh oui. C'est bon. Alors, il y a ici le fusil, l'arme qu'il avait, si ça vous intéresse. Le fusil à concussion. C'est quoi ça? Ah ouais. Qu'on a déjà eu dans l'O3, hein. Je vous le répète encore une fois. Ok, la suite par ici. Vidage. Hop. Et là, normalement, on va partir vers l'extérieur. Et partir dans une zone sans gravité. Vous devrez amorcer la séquence de lancement. Très bien. Allez à la station de lancement. Ouais, la musique ici, elle est géniale. Elle est au top. J'ai dû louper quelque chose, mais ça alors, il y a des snipes, hein, je vous préviens.
une chose à la fois. Est-ce qu'il y a une arme? Est-ce que quelqu'un a pris l'arme qui vise au loin là? Ah ouais, j'ai une arme qui vise au loin. Ouais, ce serait bien que tu vises le snipe au bout. Si tu peux, s'il te plaît. Parce que sinon on va jamais s'en sortir. Alors les snipes au bout, attends, ils sont à gauche hein. Il y a deux ou trois snipes, non ils sont en hauteur. Tu les vois pas avec le leur tir? Non, je crois que j'en vois un à côté de l'objectif là. Mais ah. Ouais, j'en vois un à côté. Ah putain, cul, arrête pas de. Ouais, parce que ça pardonne pas, un snipe là en légendaire. Ouf. Et moi, le problème c'est qu'avec mon c'est magnum. Peut-être un élite, en fait. Il y a des rapaces, il y a des rapaces avec des fusils, ça c'est sûr. Ou alors il faut attendre qu'on aille à point, qu'on avance. Ouais, mais je suis en train d'avancer parce qu'en fait, ils vont pas trop. Normalement, il y a. Ils sont juste là, c'est ça que je comprends pas. Ah non, je les ai vus. Voilà, ils sont là-bas, je les ai vus. Ah, là-haut. Là-haut, c'est bon. Oh là là, et t'as vu le nombre de balles, Kurama. Wow. Ah, moi j'en ai lancé qu'une. Ah, un, trois. On a... Oh là, ouais, par contre. Ouh. Là-haut, rapace bouclier. Attends, voilà. D'abord lui, là, parfait. Progressons par zone. C'est honnêtement, c'est ce qu'il y a de mieux. On va faire attention parce que moi, il me reste plus que 9 balles. J'ai une question. Pourquoi nos grenades, ils retombent sur le sol? Ah, c'est bon. Parce que t'es en zone sans gravité, là. Ouais. Donc il devrait avoir une trajectoire rectiligne uniforme. Bonne question. Je suis pas physicien, je ne peux pas te dire. Je pense que tu dois connaître mieux que moi des trucs comme ça. Non mais je crois qu'il a raison en plus hein. C'est ça le pire. Je sais pas, j'ai pensé grenade, alors j'ai pas fait gaffe moi perso. Mais... Bah quand tu lances une grenade, elle retombe sur le sol. Attends, je vais essayer, juste pour le fun. Attention, élite. Ah ouais, c'est mal fait. Oh la vache. Je vais essayer de mon côté pour voir. Revenez pas en arrière. Ah ouais, vous avez raison. Mais grenade frag ou grenade plasma? Bah frag hein, frag ça fait pareil. J'en ai plus, parce que moi j'ai lancé une plasma, c'est vrai qu'il y a cet effet. Tu déclenches? Lancement avancé. Ah putain, je vais en rester chiche. Ok, donc là en gros on déploie une zone de défense hein, avec une arme pour éviter. Donc il y a de nouveau des covenants qui vont arriver. La musique toujours vraiment au top. Ah ouais, il y a une arme assez sympa là. Ça pourrait peut-être bien nous aider cette arme. Le fusil covenant que j'adore. Faire attention. Ah ouais, franchement cette arme dans Halo 4, elle est énorme. Elle était déjà énorme dans Halo 2, personnellement. Tu sais, c'est le comment dire, le fusil Storm, non pas le fusil Storm, le fusil Covenant, je sais pas si tu vois, Kurama, je sais pas où t'es. Du coup, j'ai du mal à vous distinguer. Ouais, c'est celui qui tire au coup par coup, là. Ouais, au coup par coup, mais ah, tu sais, qui tire à moyenne portée, quoi. Bon, moi, il faudrait sérieusement que je pense, quand je suis en train de capturer sur Xbox One, à enlever les notifications, hein, parce que les invitations de groupe d'amis, ça n'arrête pas. Bon, c'est pas grave en soi, désolé pour vous les viewers, hein. Faudrait que je pense au prochain épisode à désactiver ça. Parce que déjà moi ça me saoule personnellement. Alors, au niveau ici des ennemis, il reste une élite. Alors par contre ce qui est vachement bien fait, je sais pas si vous voyez les corps quand même qui jaillissent comme ça, vous trouvez pas que c'est bien fait? Ouais oui, bah contrairement aux grenades ouais. Non mais c'est comme nous, hein. Quand on meurt on flotte dans les airs. C'est ça. On a l'impression que la gravité ne marche que sur les vivants. Oh bah non, le vaisseau. C'est quand même sympa, regardez là cet effet de dématérialisation à moitié. Ah, je m'accroche à toi, Pellerin. C'est où? Je m'accroche à toi. Donc là, on est attiré donc vers cet énorme portail. Pellerin est très très attiré par cet énorme portail. Je vois ça, mais vous voyez les gars, c'est qu'en fait le but c'est qu'on retourne tout là-bas. Non mais lui, il a pas compris. Lui, il voit la lumière, il y va. Un petit papillon. Vous sentez les vibrations à l'intérieur de vos mains.
T'as la main dans ton slip. J'allais dire, ouais. Bon, je vais vous attendre, quand même. Ah non, vous soyez TP. Je sais pas. Non, je suis derrière. On est dans un gros vaisseau. Ouais, en fait, on est dans une... Bah, tu sais, le vaisseau qui s'était coupé en deux dans l'O3. Oui. Où l'avant, l'arbitre avait réussi à passer à travers le portail, tu vois. Non, mais ça, d'accord. Mais on... ce vaisseau-là, il est en plus dans un autre gros vaisseau. Vu que la porte vient de s'ouvrir. Donc. Là, en fait, on est sur la partie arrière du vaisseau. Mais c'est déjà, la partie est tellement arrière et tellement énorme. On est sur un gros vaisseau de l'UNSC qui s'appelle Dawn, tout simplement. Et le vaisseau là qu'on vient d'exploser, c'était un vaisseau Covenant. Et ce qu'on a vu au-dessus, en fait, c'est... oui, je vois ce que tu veux dire. Ce qu'on a vu là, le vaisseau gris, ouais, c'est en fait un vaisseau d'abordage, en fait. Qui essaie de... Bah, tout simplement de nous aborder ici. Alors, objectif là... Ouais, enfin, au pire, hein. Hop, on peut aller par là. Normalement, on devrait pas craindre grand-chose. Ça n'arrête pas de vibrer, les gars. Ouh la vache. Non, tu es resté en... D'accord, Kurama qui me tue, y'a pas de soucis. On peut s'amuser, on tire un petit peu, mais honnêtement, les Covenants ne nous font rien du tout. Par contre, là, n'oubliez pas de sauter. Assassiné ! Assassinat ! Au pire, attendez, grenade. Ah, j'ai plus de grenade, super. Bah écoutez, on va aller. Sinon, assassinat ? Ah, j'ai pas pu. C'était pas dans le dos. Je préférais. Ok, mais c'est vrai que c'est vraiment jouissif, hein, faut dire ce qui est. Comment user la batterie ? Tenez bon. Nous sommes piégés dans le puits de gravité. Pour poursuivre les nacelles. Négatif. Attention. Game over. Et voilà, on est mort. Bon, t'es parfait. Ok. Je vous avais prévenu, hein, c'était une vidéo plus ou moins courte. Hein. Oui, on en est un petit peu moins d'une demi-heure. Très hein. Courte, ouais, même. Très le mec, courte. Il arrive quand même à écarter des vaisseaux à la main. Ah, mais oui, c'est le Master Chief. Spartan, hein. Où sommes-nous ? Vérification des coordonnées de l'impact. Vous avez dû renoncer à votre famille, à votre enfance, à votre avenir. Cortana. Désolée. C'est le crash. Ça va. Ça n'allait pas avant même qu'on quitte le Dawn. Major, je vais bien. Vraiment. Cortana. J'ai été mise en service il y a 8 ans. 8 ans. Major, une IA se dégrade au bout de 7 ans. Alcée. Major. Il faut trouver Alcée. Major, écoutez. Elle vous a créé. Elle saura quoi faire. Je n'échapperai pas à la frénésie, Major. Il suffit de rentrer sur Terre et trouver Alcée. Elle vous réparera. Major, ne faites pas de promesses que vous ne pourriez pas tenir. Il faut y aller. Les Covenants ne semblent pas avoir eu plus de chance que nous. Combien de vaisseaux ont réussi à passer ? Plein ? Pourquoi ? Il nous faut un moyen d'entrer. Ok,
Bon bah écoutez, donc on a apparu donc sur cette nouvelle map. Hein. Pour l'instant qu'on ne sait pas trop quoi dessus. Avez-vous des choses à ajouter les gars avant qu'on se laisse? Non. Non. David pour toi, Non. tout est ok, y a pas de souci. On Bah fait de la écoutez, dinde. merci à vous en tout cas d'avoir visionné Ah, ce premier épisode de le... notre Let's Play sur Halo 4. N'hésitez surtout pas à poster un petit like si ça vous a plu, à commenter comme d'habitude. Et on se retrouve dès dimanche de la semaine prochaine pour l'épisode numéro 2. Et merci à vous deux, Pèlerin et Kurama, d'avoir été là pour filmer en ma compagnie. Allez, on se dit à Rien, dimanche de la ça semaine passe à prochaine. couteau. Allez, à ciao tout le Salut. monde!